Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un payasam. C'est quoi un payasam? C'est un dessert qui est fait avec les perles de sagou et du lait. Allez, on va voir ça ensemble. Pour 5 personnes, nous avons besoin de 200 g de perles de sagou, un grand verre de lait, du sucre pour le goût, donc n'hésitez pas sur la quantité, des noix de cajou grillées, des raisins secs, 3 cardamomes écrasés ou en poudre, 2 litres d'eau que je vais faire bouillir. Une fois que l'eau est bien chaude, je vais verser les 200 g de sagou dans l'eau chaude et je continue à remuer pendant 15 minutes sans arrêt, hein, on continue jusqu'à ce que les perles deviennent transparentes. Quand elles deviennent transparentes, c'est que c'est cuit. Continuez à bien les remuer, sinon les perles vont se coller entre elles. Là, ça fait à peu près 15 minutes. Je vois que les perles de sagou sont bien cuites. Donc, je vais rajouter les 3 cardamomes, les noix de cajou grillées et les raisins secs. Et on continue de les remuer pendant une minute à peu près. Maintenant, je mets le sucre pour le goût. On mélange le tout. Une fois qu'on a bien mélangé le tout, pour finir, je verse le lait. Et je coupe le feu. Et voilà, c'est plié, c'est fini. Et voilà le travail. Miam, miam, ça vous donne envie ou pas? Je vous confirme, c'était très bon. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.